Ici Loupina pour l'épisode 36 du 100 bébé challenge. Je sais pas ce que je fous avec mes mains à chaque fois là, c'est pas possible. Je vais les couper. Bon, Clémentine revient de l'accouchement et on a accouché de Kiraline. Voilà, Kiraline. Donc du coup, je fais vieillir Elancia. Oh my god. Oh my god, Elancia, tu es bonne. Alors, on va mettre de fruit, voilà, tu es un prodige artistique, c'est magnifique et puis tu seras ça. Pardon, un génie, ok. Oula. Oh non, trop bien. Elle a le nez retroussé comme sa grand-mère et sa maman. Oh. Par contre, on va faire un truc, c'est qu'on va tâcher ce machin. Ça va nous rapporter de la thune. Et accessoirement, la petite, là, on va la mettre en bas. Comme on a de l'argent, on va lui faire une jolie chambre à la petite Kéraline. Donc c'est parti pour la chambre de Kéraline. Alors, je crois qu'elle aime le bleu. En fait, j'en sais rien du tout. Donc je vais faire un truc. J'espère que t'aimeras bien. On verra. Alors. Du coup, un petit bureau. Comme ça. En face, c'est pas du tout ce que je voulais faire. En face, on va mettre... Pardon. Une petite bibliothèque. Hop. Et puis une horloge au-dessus de la porte. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Une poubelle, n'est-ce pas? Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. J'ai pas envie de mettre de trucs comme ça, mais finalement, je vais mettre ça. Et est-ce qu'on peut lui mettre une petite télé? Ouais, trop bien. On va lui mettre ça. Et de la déco, ce sera pas mal, ça me gratte le nez. De la déco pour la petite Kira. Ça, oh, c'est tellement beau ce papier. Ça me gratte le nez. Voilà, c'est une gameuse, donc on va lui mettre les trucs des gardiens de machin là. Pouit. Sac à dos. Une petite lampe, ça pourrait être pas mal. Du coup. En fait, c'est très con de décorer pour Kera alors que... Ou pour Elancia d'ailleurs, enfin pour un Sims en particulier, vu qu'il y aura plein d'enfants, mais j'ai envie, enfin je sais pas, j'ai envie de faire ces chambres un petit peu plus personnelles. Peut-être que je les changerai pas, mais je sais pas. Voilà, j'ai envie. On va mettre un petit lama, un petit triceratops plutôt. C'est trop mignon. Ah, petit poney, mon petit poney. Il y a quoi là-dedans?
Oui, j'aime bien que le Seigneur des Anneaux dans la tête. Et alors? Ça me gratte en plus. Ah, ça me saoule. Ah oui, je voulais mettre les petits sweet sweet là. C'est trop beau ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et des rideaux. Des rideaux, c'est la vie. Les rideaux, c'est le bien. Hop là. Voilà. Voilà, la chambre de Kira est prête. La chambre de Lancia aussi. Et c'est parfait. Alors, Elancia, mon Dieu. C'est pas possible cette tenue. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais cliquer sur Elancia. Va faire tel son. Voilà, déjà, ça commence. Oui, donc on a eu un autre bébé. Donc, on va le mettre là. Pouit. Et c'est parti. C'est parti pour jouer. Comment tu vas, Clara? Ça a l'air d'aller. Germaine, faut que tu invites Taram. Genre tout de suite. Voilà, invité. Viens, Taram, viens me faire un enfant. Du coup, toi, ça va. Tu vas nourrir au biberon. Et puis. Non, pas changer de l'âge, n'importe quoi. Bah, je serai dans les bras, machin. Clémentine, bah Clémentine, elle va super bien. Donc on va attendre que l'autre blaireau arrive, là, le Taram. Qu'est-ce qu'il fout? Taram, dépêche-toi. Tiens, fais un saut blanc. Elle va se ratamer. Rétamer, pardon. Allez, vas-y. Vas-y! Oh non, elle a géré la fougère. Il arrive l'autre ou pas? Il est où? Qu'est-ce qu'il fout? Taram, ne nous quitte pas. Tiens, fais des longueurs. Et toi, va faire des toiles. Il arrive ou pas? Ah, le voilà, le trou de balle. Bonjour, Taram. Comment tu vas? Allez, va l'embrasser là. Et puis, essayer de faire un bébé. Allez, go, 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 go. Go, 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 on n'a pas le temps là. Allez, t'es pleine de chlore, mais on s'en fout. Alors, petit bout de chou. Fais ce devoir, donc ça c'est bien. Ensuite, on va lui apprendre une compétence. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, tu vas dessiner comme tu es un prodige artistique. Allez, vite! Allez, le test de grossesse, là, on a... Ok. Alors, je sais pas ce que vous avez fait pendant les ébats, mais ça l'a rendue très joueuse. La coquine! Allez, go! Elle est enceinte! Au revoir, Taram! Merci d'être venue! Au revoir! Au revoir, casse-toi. Et du coup, on va inviter lui. Inviter. Allez, c'est ça, casse-toi. J'espère qu'il va pouvoir venir. Toi, t'as fini, c'est cool. Vendre un collectionneur. Lucas va arriver, c'est parfait. Non, Clara, tu vas continuer des toiles parce que sinon tu vas aller voir faire crac-crac, ça va pas être top. Ça va pas être top du tout. Il arrive ou pas l'autre? Bon, en attendant, va faire des longueurs. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Il n'y a pas les factures, là? Non, pas de factures. Tant mieux. Tant mieux! Toi, t'as fini ton dessin bientôt? Ah bah d'ailleurs, on va pouvoir l'accrocher. Attends, j'ai vu qu'il arrivait l'autre. Ouais. Je suis désolée. Excusez-moi. Donc, c'est bon, tu arrêtes de nager. On va essayer d'être pote avec lui. Donc, demander comment s'est passée la journée, complimenter, complimenter la tenue, machin, se renseigner sur la carrière, genre on s'en fout, mais c'est pas grave. Discuter de la théorie des couleurs, je pense que ça va le passionner. On va aussi essayer d'être drôle. T'as vu, je suis en maillot de bain, je suis bonne, hein?
Amour, technique de gras. De gras. Voilà, technique de gras. C'est pas grave. Bouge ton corps, d'accord. Ok. Non, si, attendez. Donc, le dessin est fini, c'est parfait. On va le mettre là, tu vas continuer. Hop. Et toi, Clara, ta toile est finie. Elle est classe. Elle est classe, mais t'as pas le temps. Tu dois en faire une autre. Allez, zou. Bon, ils sont proches. Ah, elle est enjôleuse. Ouh là là, elle est très enjôleuse. Ouh. 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 Ouh, elle accepte. Ouh là là. Ouh, ça devient chaud patate. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Prends une pose sexy. Tu veux mon numéro? Oh, appelle-moi. Donc, le premier baiser, ça c'est fait. On va lui murmurer suavement et ensuite on va copuler, tout simplement. Eh ben oui, hein. Donc ce sera le prochain papa et je vais en inviter un autre. Mais maintenant on se déplace même plus, c'est ils viennent directement. Oh, elle a fini un chef-d'œuvre. Ils viennent directement à domicile. Allez hop, vendre. Oui, elle m'en a plein de thunes, mais c'est ouf quoi. C'est ouf. Toi, tu as fini aussi, petit boudou, débarrassé parce qu'on en a déjà un exemplaire de celui-là. Dessiner un véhicule. Allez, c'est parti. Ils ont cassé le lit, laisse tomber. Est-ce que tu peux partir? Voilà, casse-toi, en fait. Maintenant, on va inviter qui? Donc Joseph, allez, hein, c'est bon. On va inviter. On va inviter. Alan, pourquoi pas. Wolfgang, Johnny, Uvario, Michael. On en a plein là. On en a plein. Donc on va déjà inviter lui. Voilà, invité. Sinon, est-ce que tout le monde va bien? Oui, donc ça, j'irai faire un petit pissou. Quand on aura fini. Clara, tu iras t'occuper de ta petite fille, changer la couche quand tu auras fini. Et puis Clémentine, bah, continue de se les faire, hein, j'ai envie de dire. C'est quoi déjà comme bonhomme? Un adulte, c'est parfait. Hola qui voilà, inspecteur gadget. Alors, on va lui demander s'il est célibataire, voilà. Pas tourner autour du pot. Salut, t'es célibataire? Cool, on couche ensemble. Alors, il est ou pas? Oui, c'est parfait. Et ben, on va pouvoir le draguer. Alors, technique de drague. Complimenter l'apparence. Complimenter l'apparence. Draguer. Voilà. On le drague. Ça a l'air de marcher, écoute. Envoyer un baiser. Oh, mais le mec, il n'en peut plus. Hein. Oh. Échanger numéro. Non, mais regardez, ils sont tous à fond, quoi. Et le bébé qui pleure à côté, c'est génial. On peut déjà faire le premier baiser. Ok. Ah, par contre, je vais voir sa tête, il a l'air chelou quand même. Ouais, t'es pas très beau, hein. Bon, c'est pas grave, on fera avec. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, ça sera à discuter ici. Si vous pouviez faire crac-crac, ce serait parfait. Voilà, c'est parfait. Bon, et ensuite, il va dégager. Demander de partir. Hop. Voilà. Ah, c'est horrible. Alors, toi, tu vas vendre ça. Et la petite, la petite, la petite. Alors, on va mettre celle-là. Tu vas dessiner des formes. Allez. Clara, tu vas peindre. Pop art. Allez, casse-toi, s'il te plaît. Voilà, au revoir. Bon, bah on a eu deux conquêtes de plus, j'ai envie de dire, c'est tranquille ou gilou, hein. Clémentine, tu vas utiliser, tu iras faire ton jardin après, parce que là, là, ça ne va pas du tout, là. Ça ne va pas du tout. Désherber, arroser. Oula! Oula!
là, ma pauvre Clara. Ça refait exactement la même toile, super. Clara, tu vas faire pipi. Puis tu vas nous cuisiner un truc. C'était là. Ah, enlever la nourriture gâtée, oui, ce serait pas mal. Et cuisiner, qu'est-ce que tu peux cuisiner? Oh, poulet rôti. Oh, je trouve fort. Vas-y, fais un poulet rôti. Et toi, gamine, t'en es où? Compétence 2, c'est parfait. Il faudrait que tu sois à 4 et ce sera parfait. Donc là, c'est bon. Clémentine, quand t'auras fini... non, mais non, elle n'a pas fini sa toile. Donc... Quand t'auras fini, ma petite Clémentine, t'iras prendre une douche. Et franchement, on est tranquille. Hein. Niveau argent, ça le fait à l'aise. Hein. C'est ouf, quoi. Avec tout ce qu'on gagne, je sais pas comment ils font les autres pour ne pas gagner autant. Bon, par contre, Elancia, je pense que je la relookerai hors caméra. Monsieur, elle est mignonne. Non, j'ai pas... Elle est très mignonne, quand même. Très, très, très mignonne. Allez, go, go, go. Clara, quand tu auras fini tout ça, tu pourras... quand tu auras fini ta toile, tu pourras manger. Ensuite, toi aussi, tu vas manger. Et toi aussi, ma petite louloute, tu vas manger. Zou, 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 zou. Encadrer, vendre et prendre une part. Clémentine, t'en es où? Clémentine, va se doucher. Du-du-dum, du-du-dum, du-du-dum. Et on va... Ouais, les produits, on verra plus tard pour les récolter. Ah bah ça parle pas beaucoup, hein. Tu pourrais parler avec ta petite fille quand même. Oh. Je sais pas, elle discute de ce centre d'intérêt. Parle de la nourriture, enfin j'en sais rien, moi. De ça. Voilà, ils sont mignons. Oh. Attends quoi? Attends. Demandez de vaporiser le monstre du lit. Ok. Voilà. Ensuite, Clémentine. Non. Plutôt Clara, quand t'auras fini, t'iras t'occuper de Keraline qui nous saoule, hein, comme tous les bébés de ce jeu. Ah, allez, vas-y, elle va vaporiser. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, elle va vomir. Bon, super. Manger poulet rôti. Mais. Allez, ouf. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas mis les petites lanternes là. Je les ai pas mises. Attendez, je vais les mettre vite fait, sinon elles vont me faire chier. Youp. Où est-ce que je peux la mettre? Je peux la mettre là. Hop. Et j'en voudrais une bleue. Ok, bon. Bah, elle sera là, voilà. du coup, voilà. Allez, dépêche-toi de manger. Et qu'est-ce qu'elle fout, elle? Bon, bah, Elancia, tu vas aller utiliser, te doucher et voilà, on va attendre que ta mère arrive.
Et voilà, tu peux dormir. Toi, du coup, Clémentine, qu'est-ce que tu peux faire? Oula, oulala, faut nettoyer ça. Clara, tu vas aller dormir parce que là, il est vraiment temps que tu dormes, pauvre. Oh, ce bébé. Ça aussi, cette coiffure. Mon Dieu. Bon, bah, l'épisode est terminé maintenant, les amis. Donc, je vous fais des bisous.